Dans dernier jour ça yo, gen un pile compatriote cap fait des marches pour rentrer dans le pays Mexique, soit par voie légale ou bien illégale. Gen moun kap fait des marches qui sorti depuis Haïti en passant par Belize, gen moun qui sorti Brésil, Chili, Suriname, Guyane ak un pile l'autre pays encore dans région. Kap préparé juste pour capable rentrer dans le pays Mexique, soit dans l'idée pour rentrer dans le pays les États-Unis ou bien tout à étudier ou bien à vivre dans le pays Mexique. Et bien c'est ça que fait dans vidéo ça, moi pral recevoir mes amis depuis pays Mexique qui pral porter quelques informations kap vraiment utile moun ki gen idée pour aller vivre dans pays Mexique ou bien pour transiter dans pays Mexique pour entrer dans pays les États-Unis. Abonnez-vous avec chaîne là si vous pas fait ça et pas oublier activer cloche là pour capable notifier à chaque nouveau vidéo. Et pas oublier quitter un like en bas vidéo ça si vous appréciez l'idée. On al suivre ensemble avec moi comment en mien lui-même depuis pays Mexique, l'étape partager quelques informations qui vraiment nécessaires avec Cordo Info 7. Allô? Allô, ça va faire? Moi, normalement, ou sous Cordo Info 7, c'est un plaisir pour nous, juste pour nous capables de recevoir pour porter un pile d'informations pour nous. Ok. Et normalement, est-ce qu'on a dit nous comment relais? Ok, nous sommes venus au Mexique. Ok, mais ça fait combien de temps depuis que vous vivez au Mexique, Rico? Non, 4 mois là. Ok. Mais comment vit l'autre bois? Est-ce qu'on sent bien? Comment ça y est? Mon cher, et via lui-même, vous connaissez chaque monde qui est à l'aise. Rowan? Mm-hmm. Et pour moi-même, bon, ça, tu vis Mexique, tu vis mal, parce que même à Haïti, Rowan, même tout ça, même à Haïti, comme si au chalet, ou pas de problème, comme si par Freddy, ou quand même, tu m'as au bout de manchou, le sort de travail, ou le sous place, par exemple, on a fait des jackets. Rowan, au calcalé, on a un problème comme ça. Ok. Et, mm-hmm. Ou a fait travail là, lui-même, ou on a tout carte de travail. On a mal dépend de travail ou aimé fait. Ou nous entrer dans le travail aujourd'hui, alors ou pas aimé, ou on a un travail au pays, pas qu'ils aiment, un travail chaque semaine au pays, ou on. Ok. Mais normalement, est-ce que vous bien payé dans le travail? Est-ce que ça l'a satisfait pour répondre à besoin? Et puis, si vous avez un peu de famille? Non, Mexique, vous n'avez pas un problème. Et si vous voulez votre travail, Mexique, si vous mobilisez votre travail, vous n'avez pas perdu 10 jours. Si vous avez besoin de $100 dans 150 dollars et les mois, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas de problème pour manger. Ok. Mais normalement, vous salaire minimum, Mexique, là, soit sur notre travail, vous avez tout payé au clopin. Ou pas de problème, ou quand l'eau vient changer, ou quand des personnes l'eau vient changer, ou quand on 650 dollars américains, ou 700 dollars, tout le monde. Ok, d'accord. Mais normalement, si toutefois on est rentré, il n'y a pas de profession, est-ce que l'on a travaillé facile au Mexique? Facile, Mexique. Bon, ouais, de Chili, ouais, Chili, les gars sont plus. Priorité pour le travail, si presque pas un travail facile Chili. Bon, ici, t'as la, tous ces filles, que tous ces garçons, pas besoin de travail. Ok. Mais quel genre de travail qui plus fréquenté Mexique? Non, on est. Mais tout le genre de travail. On a dit, j'avais dit travail et mon con, ouais, Chili, m'a réussi à faire mon bal en fruit, à travailler en fruit, bah, Ok, d'accord. Mais normalement, où tu es rentré au Mexique, c'est légalement ou bien illégalement? Moi, je suis rentré au Mexique, là, où on aime des Chili, des résidences. Et Chili, je suis acheté un avion dans le Mexique, comme dans le Mexique. Ou dans le Mexique, tu billet ou alors? Oui, je m'achète billet, mais si je m'achète billet pour moi, de Mexique. Ça veut dire que si toutefois, au Chili, ou réside de Chili, ou tu dois rentrer au Mexique sans problème avec billet avion seulement? Sans problème. Dès que vous résidez dans Chili, vous avez un problème. Vous avez bien un passeport. Ok, d'accord, je comprends. Mais le, si toutefois vous rentrez légal et vous voulez rester dans le pays, quel processus vous faites pour rester dans le pays? Bon, ma bonne information. Ici, son pays, base, à fait papier, pas difficile même. Ok. Mais là, vous faites crever. Là, on fait criver qui n'a qui instance ou aller directement qui pour beau papier, qui papier ou bas ou comment ça est pour processus papier? Processus papier, alors, arrivé au Mexique ou aller à passeport,
voilà comme on côté que le Comal. OK. Comal là-bas où on protocole. OK. Protocole liba ou à Avel ou à l'immigration ou à le coucher de Ticane. D'un côté, ou à Oul, ou qu'on est Mexique, là, il y a plusieurs stades, il y a 32 lieux, ou ouais. Ok. Ça veut dire dans tout, dans quel que soit la ville où il y a, ou à Bjouen Komal. Oui, ou à Bjouen Komal. Ou à Bjouen Komal, et à Bjouen Komal. Et puis, Komal, là, c'est un bon protocole là, ou à aller dans l'immigration, immigration, tout bon Ticane. Regardez là, ou à Oul, même jour, regardez là, ou à Azou. Ou bien après 4 jours ou bien après 5 jours. Ok, ok, d'accord. Mais est-ce que c'est facile pour les gens résider dans le pays Mexique? Facile, facile. Est-ce qu'on pas besoin? Parce que les gens qui disent qu'il faut que les gens pour résider plus facile et résident là. Pas un bail comme ça. Mexique ou là, son pays, ou est-ce que les gens qui ont un monde là, par exemple, on va à peine parler de Mexique, ou pas d'aller, mais j'ai 4 ans et résident sur les gens. N'importe qui comme ou bien avocat la pour la chance de donner son timon pour comme si il faut gagner n'importe femme ou gagner qui gagne timon ou n'est que faire ou il y a un message bas ou là et puis lui-même il n'est que rempli bas ou là le bas ou le bas pile c'est vraiment roman. Ok, nous comprenons. Alors l'immigration tout bas est résidence indéfinie jusqu'à ce qu'on mourir tout bas ou. Ok, c'est très bien ça. Mais comment t'as donné, nous connaît que dans le dernier jour, ça y a eu un pile haïtien qui a fait route rager pour rentrer au Mexique. Si toutefois, un haïtien a fait route rager dans le Mexique illégal, est-ce qu'elle est facile pour le jeune papier? Est-ce que c'est le même côté ça y a eu pour l'aller pour le jeune papier? Rapide. Où est-ce que l'haïtien n'a pas route rager? Il n'a pas tout là, il n'a pas tout là, il n'a pas tout là, il l'a fini quitter le Guatemala. Ok, mais seulement dans la ville, ça haïtien rentré plus facile ou bien il y a l'autre ville haïtien qui a rentré? Oui, t'as que Haïtien quand il y a l'autre vidéo, Haïtien vient pas à Saint-Domingue, les rabbins pas à Belize, ouais. Ah, ok, d'accord. Yo descend en côté, les rabbins descendent Belize, et puis mon qui fait, voilà, ça vous voit, car il y a mon Belize fait, j'en vais, mettez au Cancun est toujours mexicain, mais les frontières, les touristes, ouais. Ah, ok, d'accord. Mais. L'eau, il y a là, il fait 4 là-bas. Ok, non, même instance qui est les commandes là, même processus, yo. Même processus. Ça veut dire qu'il n'y a pas même besoin de connaître qui compte au sorti, il y a bon papier normalement. Il y a rien qu'on n'est pas. Mais si tu as seulement besoin d'entrer au Mexique, vous rentrez au Mexique comme des papiers. Ok, d'accord. Si toutefois, un haïtien est arrivé au Mexique, il dit bon, il peut pas rentrer aux États-Unis, qui conseille ou t'as bali pour s'il t'a voulu rester vivre au Mexique? Moi, j'ai au Mexique, bon, ouais, grand pile haïtien. Qui a travaillé, pas de revenir au Mexique là, avec patron. Gain les aller patron, pas qu'on est. Gain plus le patron qui est haïtien, les haïtiens travaillent ensemble avec eux. Ils ont toujours voulu des haïtiens. On va dire haïtiens, on va dire l'entrée. On va dire quelques processus. Ils ont aidé. Ok, je comprends. Mon États-Unis, ils sont pays grande puissance, ils ont plus d'haïtiens. T'as rien à vivre là-dedans, on va dire. Ok. Ou qu'on est debout au Mexique, comme si je me disais, et je dis à l'avocat Mexique de Monsieur États-Unis, qu'on s'en moment là. Ok, d'accord. Mais si l'autre fois, un haïtien est arrivé l'autre bois, il dit qu'il a fait un business, est-ce qu'elle facilite pour haïtien faire business? Non, il n'y a pas de problème. Mexique, là, il n'y a pas de business, il n'y a pas acheté de nom, il n'y a pas de haïtien, il faut que c'est haïtien pour vendre. Il n'y a pas acheté de sort, n'importe sort, il n'y a pas acheté de nom. Non, et pas tellement dans le contexte ça, et comme contexte comme si est-ce que vous pouvez exiger au papier pour faire business, bah non, ça. Non, cher. Pas un bail. Ok, d'accord. Vous avez un business ou vous avez vendre normal. Vous avez pas une quantité haïtienne pour vendre. Soit vous vendre normal, mais haïtienne vous pas arrêter. Ok. Mais question à faire, Mikaela, est-ce que c'est cher dans le pays Mexique? Non. Mais avant de demander Kaila, vous comprenez que vous avez payé $100 américains, vous avez payé $150, vous avez payé $100. Vous avez demandé Kaila, si vous avez payé, par exemple, 3 pièces, vous voulez mettre la donne pour quoi, à la famille, vous avez payé $200, $250. Ok. Ça veut dire que Kaila n'est pas tellement cher l'autre bord? Non, pas trop, il n'est pas trop cher. On va demander Kaila. Kaila dit cher, mais Kaila n'est pas trop cher. Ok, d'accord. Pour études d'où, si toutefois on a décidé d'étudier Mexique, est-ce qu'elle est facile pour l'étudier? Oui, facile. Par exemple, il y a haïtien qui gagne 3-4 ans ici, là, je ne sais pas comment rentrer aux États-Unis, mais on a fait étudier.
Ok, ça veut dire même les Haïtiens entrent illégal, ils ont fait processus pour l'étudier normalement. Oui, normalement, normalement. Mais est-ce que les Mexicains ont bien traité les Haïtiens? Ils n'ont pas racistes? Non, mais les Mexicains sont noirs, tout le monde. Okay, ça veut dire nous, communauté haïtienne, non, nous à l'aise, notre bois, nous pas subi. À l'aise, ou à l'aise. Et ouais, nous, quand nous avons qui ont dit, genre, mais babou, si le traite en façon, babou, d'une façon, si ça veut dire, on connaît. Là, nous avons mafia d'après Goblin, dans la vie, on est exact plus malheureux, on est. Dans la vie, il y a des gens malheureux, on est en plus fréquent. Ok, d'accord. Pas de problème. Mais Donc, moi, moi. qui est là, normalement, ici, là, va gagner fait mon, puisque mon, tout le monde même mon. Et pour question rentrer aux États-Unis là, si Haïtien finit rentrer, est-ce que comment processus là est s'il t'a voulu rentrer aux États-Unis? Processus la facile pour entrer, moi, j'ai moi fait organisation là, dans toute frontière honnête. Et vous pouvez leur inscrire. Et les gens qui ont la famille, ils ont les plus vite, mais les gens qui sortent, ils ont 40 ans. Mais il y a une organisation, ni sortent, ni les gens qui ont la famille, ils ont la même date. Donc, on va reconnaître les sortent avant les gens qui ont la famille. Ok, ça veut dire question complication pour rentrer aux États-Unis en un moment là, il n'est pas tellement compliqué, il est facile pour Haïtien rentrer. Facile, il va compliquer, pas compliqué, facile. Ok, d'accord, pas de problème. Donc, moi, je pense que je me pose une question qui est essentielle. Et qui dernier mot ou dernier pour dire à tout le monde qui t'a souhaité rentrer dans mon pays Mexique en un moment? Moi, ça me questionne l'occasion qui t'a vu entre Mexique, tout est Chili ou tout Brésil. Et bah, c'est route là, pas fait le même gars, puis le monde qui fait le dit route là, faut que nous t'y copions dans mon roman. Ok. Et puis tout, soit brave, sorti dans route là, tout, faut que ou gagne qui proche, on t'y copions dans mon pour le bloquer ou carrément de mon sort, dit mais tel pays, oui, on t'y copions pour mon roman, parce que je dis route là, j'ai l'argent, mais on n'est même pas fait le même roman. Ok, d'accord. On ne peut pas faire sous compte monde comme si on voulait un monde comme ça, on ne peut pas faire l'autre. Mais ça, on ne peut pas faire route là. Comme si, supposé, je comprends. Ok, d'accord, pas de problème. Et donc, nous remercions parce que tu as accepté partager quelques informations avec moun qui t'a une idée pour entrer dans le pays Mexique, soit pour aller vivre ou bien et transiter pour entrer dans le pays États-Unis. Nous remercions. Ouais. Pas de problème. Ok, d'accord. C'était comme ça que compatriote là lui-même qui vivent depuis le pays Mexique. L'étape fournit un pile d'informations qui pral nécessaire avec ou même qui t'a une idée pour rentrer dans le pays Mexique, soit pour aller vivre, soit pour transiter, etc. Pas oublier, abonne-toi avec chaîne Cardo Info 7 là pour rester connecté à toute information qui est vraiment nécessaire pour vous. Et pas oublier, quitter un like en bas vidéo ça s'il t'est arrivé sous. N'a pas croisé pour une autre vidéo. À la prochaine.